Amie de Cocteau, Breton, Soulages, elle vit dans le pays de Guérande, au cœur des marais salants, miroir d'eau et de feu. Yann Le Toumelin, rencontre. Ça correspond à mon monde, ces marais salants. Et à mon activité. Parce que je cherche des transparences dans ma peinture en enlevant, non pas avec un lard, mais avec une tringle ou une épée. J'essaie que le soleil se reflète dans ces miroirs. J'essaie de retirer le sel de l'immensité, de ne pas en perdre la saveur. Cette immensité est toute proche de l'océan qui alimente les marais salants et qui donne le sel aux hommes. J'ai toujours peint sur des supports lisses. Je suis comme la princesse qui ne supporte pas un pois chiche dans le 25e matelas. J'aime bien faire ma trame moi-même sur un support lisse. En fait, c'est aussi symbolique parce que la trame de l'univers, c'est dans le vocabulaire. Mais j'ai oublié déjà le vocabulaire du symbole et de la légende, puisque je la vis. Alors, j'ai fait ma trame, une trame qui me convient ce jour-là. Hein. Et puis, alors, sur cette trame, j'ajoute d'une main avec le pinceau, j'enlève avec l'autre. Tout mon côté impressionniste, tout le côté de la peinture que j'adore, de Rembrandt, Turner, Monet, j'ajoute. J'enlève, ça c'est tout le côté allemand, Altdorfer, Grunewald. Hein? Bon. Quels sont les peintres que vous avez côtoyés et qui vous ont directement influencé? L'amitié de Soulages, la rencontre avec Georges Mathieu. J'ai beaucoup admiré la liberté qu'ils ont pris dans le geste. Alors, ils étaient tous les deux un peu ennemis au point de vue conception, puisqu'il y en avait un qui disait Soulages disait que Georges Mathieu avait un geste émotif, qu'il se déplaçait par émotion, tandis que Soulages avait des gestes de présence. Selon vous, qu'est-ce que vous avez pris d'eux en peinture?